Dans nos expériences de vie, nous rencontrons des situations diverses dans lesquelles nous pouvons nous sentir rejetés. Que ce soit dans nos relations amoureuses, familiales, amicales ou professionnelles, il est normal de vivre parfois des moments où le scénario ne se passe pas exactement comme nous l'aurions souhaité. Mais si dans notre scénario de vie, la blessure de rejet est présente, alors traverser ces moments de rejet peut se révéler très difficile. Si la blessure de rejet est présente dans notre scénario de vie, on peut être littéralement broyé par la puissance des émotions ressenties et la souffrance peut être extrêmement aiguë. Quand on parle de blessure de rejet, de quoi est-il question? Il y a de multiples scénarios possibles, mais au plus simple, un parent n'a pas voulu de nous. Un parent, ou les deux. Nous n'avons pas été accueillis comme il se doit par la tribu familiale. Par conséquent, l'enfant impacté peut pendant des années avoir l'impression de ne jamais trouver sa place. Il peut même se dire parfois qu'il s'est trompé de planète, que la Terre n'est pas faite pour lui, qu'il ne pourra jamais s'adapter, intégrer un groupe, une communauté, ou même créer une famille paisible dans laquelle chacun est respecté pour ce qu'il est. Il peut grandir en essayant d'être transparent. Pour ne pas provoquer d'histoire, il peut devenir comme transparent. Avoir été rejeté au départ provoque par ailleurs une grande anxiété, une appréhension qui se manifeste dès qu'il s'agit d'entrer en relation ou de développer une relation qui par ailleurs pourrait être vraiment enrichissante et passionnante. Le niveau d'anxiété quasi constant fait que l'individu va souvent choisir de se réfugier dans la solitude pour calmer le jeu, pour retrouver de la sérénité. Ces moments de retrait sont comme des fuites nécessaires. La fuite peut se manifester de diverses façons. On peut développer une imagination extraordinaire en écho à la difficulté avec le réel. On peut aimer passionnément la lecture, par exemple. On peut aussi plonger dans diverses addictions plus défavorables à la santé. L'alcool, la drogue, les jeux vidéo. On va plonger dans tout ce qui éloigne d'une réalité délicate à appréhender du fait de la difficulté d'entrer en relation. Cette blessure peut se cacher longtemps à notre esprit. C'est qu'il est inconcevable d'imaginer qu'on a été rejeté. Comment peut-on rejeter un nouveau-né? Comment ne pas accueillir ce bébé qui a tant besoin de soins et d'affection. La blessure de rejet est d'autant plus délicate à traiter que, dans la plupart des cas, le rejet ne s'est pas exprimé d'une façon directe et assumée. Dans la majorité des cas, on ne s'est pas débarrassé de l'enfant. L'enfant est resté dans la famille, dans la fratrie, on l'a nourri, on l'a fait grandir, mais il n'a pas été accepté. C'est comme le vilain petit canard. Si tu te reconnais un peu dans cette description sommaire, alors cette séance est pour toi. Je te propose cette séance d'hypnose pour apporter de la lumière, afin que tu sois en mesure, à l'avenir, de faire la part entre cette blessure que l'enfant que tu étais a ressentie et la personne que tu es aujourd'hui. Je vais te demander de t'installer au calme. C'est une chose que tu sais faire. C'est une chose que tu fais souvent, être seul, au calme, laisser le brouhaha du monde au loin. Tu t'installes et nous allons commencer. Tu es installé, c'est fait. Tu as pris la peine de t'organiser pour ne pas être dérangé pendant la séance. Tu pourras évidemment bouger, changer de position si c'est nécessaire. La seule chose qui compte, c'est que tu sois bien. Je vais te demander dans un premier temps de respirer profondément, d'être juste attentif à la respiration. C'est une respiration ventrale.
Quand tu inspires, le ventre se gonfle. Et puis quand tu expires, ça redescend. Et c'est la seule chose à faire. La seule chose qui compte là, maintenant. Porter ton attention sur la respiration. Tu vas continuer à respirer ainsi profondément pendant toute la séance. Et plus tu vas respirer, plus le corps va se relâcher. Tu continues ainsi. Tu inspires. Et puis tu expires. Et tandis que tu continues à respirer comme ça, profondément, j'aimerais que tu prennes conscience de quelque chose. J'aimerais que tu prennes conscience du fait que des centaines, des milliers de gens, des millions de gens ont, comme toi, été blessés au départ. Des millions de gens, peut-être même des milliards, n'ont pas été acceptés au départ. Quel que soit le scénario, et tout à coup tu mesures à quel point tu n'es pas seul. Et tu respires profondément. Et j'aimerais que cette prise de conscience que tu n'es pas seul t'apporte maintenant une forme de soulagement. Tu n'es pas seul. Nous sommes des millions, des milliards. Et tandis que cette pensée t'apaise mystérieusement, le corps se relâche, les épaules se relâchent, les pieds, le ventre, la mâchoire, le front, et le corps devient lourd et tu laisses faire. Tu laisses ce grand corps se relâcher un moment, juste un moment qui va permettre des changements importants, indispensables même. Tu laisses le corps se relâcher, tu laisses le corps faire poids comme s'il était relié directement au centre de la terre, comme s'il se reliait plus fortement à la terre. Et tu continues à respirer ainsi, profondément. Tu vas maintenant imaginer que tu es dans une forêt. Tu marches dans la forêt. Les odeurs viennent chatouiller ton nez, des odeurs subtiles, des mélanges d'essences. Et le corps commence à se régénérer subtilement, tandis que tu marches dans la forêt. Il y a quelques marches, faites avec des morceaux de bois. Tu vas descendre ces marches pour découvrir davantage la forêt. Je vais compter de 1 à 5
Et à chaque nombre, tu descendras encore plus profondément. 1. 2. Le corps est encore plus lourd. Tout se relâche. 3. Tu lâches prise. Ma voix t'accompagne. Tu es accompagné. Tu laisses faire. 4. Le niveau de décontraction augmente, augmente, toujours plus. 5. Tu es maintenant dans un niveau de relaxation profonde. Et c'est bon. Et tu laisses faire. Tu profites. Et c'est comme si tu regardais par la fenêtre, tandis qu'un professeur donne son cours. Ton esprit peut voyager à partir de maintenant. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons voyager dans le temps, dans l'espace. Pour que tu atteignes cet objectif d'être libéré de cette blessure qui pèse depuis longtemps sur toi. Apporter de la lumière en douceur et profondément. J'aimerais maintenant que tu laisses remonter des souvenirs, des choses de l'enfance, de tes premiers moments de vie. Et tu vas être comme un observateur. Tu vas juste observer sans ressentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti rejeté? Qui t'a rejeté? As-tu été rejeté directement ou bien est-ce que ta maman a été rejetée au moment de ta naissance? Est-ce que ton papa a été rejeté? Explore cette situation dans laquelle tu es arrivé. Cette situation qui a créé en toi comme une béance, un gouffre vertigineux. Un gouffre vertigineux, une douleur extrême. Ton esprit se balade autour de cette situation familiale dans laquelle tu es né. Et déjà, tu remarques que, ne ressentant pas cette douleur que le bébé a ressentie, tu es en mesure de poser un regard neutre sur tes parents. Tu peux mesurer à quel point ce sont aussi des êtres blessés. Et tu peux voir à quel point ils ont essayé de faire au mieux dans leur situation. Il n'empêche que toi, tu as ressenti d'une façon
extrêmement violente, cette blessure de rejet. Alors tu peux déjà apporter beaucoup de tendresse à cet enfant que tu étais. Et c'est ce que tu fais maintenant. Comme si tu prenais ce bébé dans tes bras, à toi. Comme si tu lui apportais maintenant la douceur, la présence et l'amour dont il a besoin. Tu le prends dans tes bras, cet enfant, et tu le consoles. Et tandis que tu as cet enfant dans les bras, ton esprit va continuer à voyager. Tu le sais, la vie est très bien faite. Il y a un endroit ou des endroits où tu as été accepté, accueilli, entouré, protégé, stimulé. J'aimerais que ta mémoire fasse remonter un souvenir ou des souvenirs. Que ta mémoire réactualise. Que tu vois là, maintenant, à quel endroit on t'a apporté ce dont tu avais besoin. Est-ce à l'école? Est-ce chez des grands-parents? Chez des voisins? Chez un oncle, une tante? Il y a forcément un endroit où tu as été accueilli. Un endroit où tu as pu recevoir ce que tes parents, pris dans la tourmente, n'ont pas pu te donner. Je vais me taire quelques instants. Le temps que tu plonges, que tu replonges dans cette situation où tu étais aimé totalement pour ce que tu étais. Et plus le souvenir va monter à la surface, plus le plaisir va monter dans le corps, la joie, une forme de joie. Rappelle-toi comme tu te sentais bien à cet endroit. Rappelle-toi les rires. Rappelle-toi les échanges. Rappelle-toi. Laisse remonter ces doux souvenirs où tu as été accueilli comme il se doit. C'est parfait. Laisse remonter encore les souvenirs et peut-être même
Le mouvement des pensées peut s'accélérer, les souvenirs peuvent peut-être remonter encore et encore. Rappelle-toi cet endroit où tu étais si bien, si entouré, si protégé, si aimé, si apprécié pour ce que tu étais. Rappelle-toi comme c'était joyeux, gai. Rappelle-toi les jeux. Rappelle-toi comme c'était facile. Rappelle-toi. Et laisse monter la joie dans le corps. Parce que à cet endroit-là, tu as été aimé, vraiment, totalement, sans restriction, sans condition. À cet endroit-là, tu étais absolument parfait, parfaite. Et c'est comme un bain de jouvence en train de se faire. Tu es en train de prendre conscience que tu sais vivre des relations harmonieuses. Tu sais le faire. Juste tu l'avais un peu oublié. Je vais me taire quelques secondes. Le temps que tu laisses cet état se poser en toi. Maintenant, nous allons faire une chose magique. Tu vas imaginer que tu as dans la main gauche la blessure initiale, l'endroit de la douleur extrême, que l'enfant que tu étais n'a pas pu gérer. Tu mets ça au creux de ta main gauche. Voilà, comme une petite boule au creux de ta main gauche. Et puis, dans la main droite, tu vas mettre cette joie, tous ces souvenirs merveilleux que tu as, tous ces jeux avec des camarades, toute cette joie, toute cette communication fluide que tu avais avec eux. Voilà, tu mets tout ça au creux de ta main droite. Et c'est comme une petite boule d'énergie vibrante et colorée, comme un arc-en-ciel au creux de la main droite. C'est bien. Maintenant, tu vas imaginer que tous les souvenirs qui sont au creux de la main droite vont se poser sur la douleur de la main gauche. Ta main droite va venir doucement se poser sur ta main gauche. Voilà, tu imagines
où tu le fais, ce geste-là, que les souvenirs arc-en-ciel se posent sur la douleur initiale. Je compte jusqu'à 3 et ce sera fait. 1, 2, 3. Voilà. Ta main droite s'est posée définitivement sur ta main gauche. Et ainsi, dorénavant, la blessure initiale est presque remplacée par ces mémoires positives, ces mémoires qui disent, qui montrent, qui prouvent que tu es en capacité de vivre des relations profondes, harmonieuses, authentiques, sans la moindre crainte d'être rejeté le moins du monde. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois qu'il s'agira d'entrer en relation ou de soutenir une ou des relations, tu te souviendras instantanément de cet endroit où, enfant, tu as vécu des relations formidables, joyeuses, respectueuses, et un sourire peut se dessiner sur ton visage. Tu vois, tu sais le faire. Tu sais vivre des relations équilibrées. Je suis très heureuse que ta mémoire ait ramené ses souvenirs. Très heureuse qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses te souvenir qu'en effet, il y a eu une blessure violente de rejet, mais que tu as aussi expérimenté des moments heureux, de relations heureuses. Et dorénavant, tu t'en souviendras toujours. Tu t'en souviendras toujours. Tu ne t'es pas trompé de planète. Tu es bien sur la Terre. C'est ton choix. Et à partir d'aujourd'hui, tu t'engages à en profiter encore plus. Les prochaines situations où tu seras comme rejeté ne seront pas un problème. Tu sauras tout de suite reconnaître la blessure initiale. Tu te souviendras de la blessure initiale, mais de façon plus vive et plus puissante. Tous les souvenirs heureux se présenteront. Ainsi, on peut bien te rejeter, ce n'est pas un souci. La vie est un chemin d'apprentissage. On apprend, on découvre. Et puis, tu le sais déjà. Il t'est arrivé d'être rejeté et de vivre des choses bien plus intéressantes après. La paix s'installe en toi. La paix. Tu es capable de relations équilibrées, enrichissantes, épanouissantes, joyeuses, authentiques et profondes. La paix s'installe en toi.
partir d'aujourd'hui. Il n'y aura aucune nécessité de se mettre en retrait, de fuir par crainte d'être rejeté. À partir d'aujourd'hui, tu te souviendras toujours, chaque jour, chaque seconde, que tu peux vivre des relations épanouissantes, équilibrées. Tu sais le faire. Tu l'as déjà fait. Et tandis que ton inconscient fait la mise à jour, tandis que les changements s'inscrivent à tous les niveaux, dans toutes les cellules du corps, dans tous les corps subtils, éthériques, énergétiques, tandis que le changement est en train de se faire, et que l'arc-en-ciel qui était au creux de ta main droite s'étend à tout l'être que tu es. Je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, tu seras ici et maintenant, définitivement changé. Tu as soigné la blessure du rejet. Lorsque j'arriverai à 1, la blessure de rejet sera comme une trace, la trace d'une mémoire passée, quelque chose de lointain, quelque chose qui aujourd'hui est soigné, guéri. 5. Tu reprends conscience de ton corps. De ton corps qui régulièrement a eu besoin de trouver des échappatoires pour échapper à la souffrance. 4. Tu es dans la gratitude pour ce corps, ton corps, qui a fait toujours ce qu'il a pu, et tu mesures à quel point tu n'auras plus besoin du tout de fuir la réalité. 3. Dorénavant, si tu avais des addictions, elles peuvent disparaître, car tu as compris. Tu as compris ce qui se jouait jusqu'à aujourd'hui. Et tu te réjouis d'avoir fait la lumière, d'avoir compris. 2. Et tu remercies ton inconscient d'avoir fait tout le nécessaire aujourd'hui. 1. Tu ouvres les yeux ou bien tu plonges dans le sommeil. Et la vie va reprendre son cours. Bravo. Bravo pour tout ce que tu viens de faire.